Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Coloriage aujourd'hui, mais c'est plutôt présentation d'un livre de coloriage. Alors, comme vous voyez, ça y est, j'ai fini mes pansements. Bon, il reste la cicatrice, hein, c'est normal, mais ça va. L'infirmière m'a dit qu'elle était belle, et c'est vrai, elle est belle. Maintenant, je mets de la crème pour atténuer la cicatrisation. Voilà. Par contre, aujourd'hui, j'ai fait une bourde. Je me suis blessée, mais pas là. Là. Il fait bobo. Chouchou, aujourd'hui, a fait grand nettoyage dans le salon. Comme vous savez, c'est lui qui nettoie, hein, parce que moi, j'arrive pas, parce que à cause de mes essoufflements, de mon dos, tout ça. Donc, j'ai un bon chouchou. Et donc, il avait tiré le canapé, mais au-dessus du canapé, il y a une étagère. Pardon. C'est une étagère IKEA, donc en bois, mais avec les côtés en métal. Vous voyez le truc venir. Donc, comme le canapé était retiré, je suis passée sous l'étagère, mais je me suis relevée. Il fallait bien que je me relève à un moment, parce que l'étagère est plus basse que moi. Mais je me suis relevée trop tôt. Je me suis relevée en plein sur le coin de l'étagère en métal, sur le coin de métal. Du coup, et j'ai fait shbing, mais bien, quelque chose de bien fort. Donc j'ai un petit trou. Coucou, j'ai un trou. Ça a pissé le sang. Donc j'étais à la salle de bain, désinfectée. Aïe, ça pique la désinfection quand vous pissez le sang. Ça fait bobo encore plus. Du coup, Chouchou, il me dit, ben, va à l'hôpital. Il me fait, ben, montre, il regarde, il fait, ah ouais, t'as un trou, il faut aller à l'hôpital. Je vais là, la zut, hein, je prends d'aller à l'hôpital, j'en sors. En plus, les urgences, on sait à quelle heure on rentre, on ne sait pas à quelle heure on en sort. Du coup, je dis, je vais plutôt appeler les pompiers. Pour leur demander si eux ils savent faire un petit pansement. J'ai appelé les pompiers, mais c'est dimanche. Donc, quand j'ai pas les pompiers du village, j'ai les pompiers service d'urgence de la ville. Ils ont voulu me passer le SAMU. Le SAMU me dit, ils m'ont demandé quoi et qu'est-ce, comment. Hein, voilà. Bon, c'est normal qu'ils posent des questions. Hein, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et elle me dit, je vais vous passer le médecin. Ils m'ont repassé une autre personne qui m'a dit, attendez, je vais vous passer le médecin. Mais elle me dit, il va y avoir un petit peu d'attente. Je dis, oui, il n'y a pas de souci. Bon, je le sais qu'il y a de l'attente sur le SAMU. Hein, on le sait très bien. Mais bon, au bout d'un quart d'heure, je me suis dit, je vais arrêter, je vais raccrocher. Donc, j'ai raccroché. J'en avais marre. Et puis en plus, ça commençait à pu pisser le sang. Donc j'ai appelé mon infirmière et là j'attends qu'elle me rappelle parce que bon, ils sont à deux, mais sa collègue est en congé maternité. Donc elle se tape tout le boulot toute seule. En plus, c'est pareil, c'est dimanche. Donc je verrai bien si elle me rappelle ou pas. C'est juste pour qu'elle regarde, qu'elle désinfecte elle-même, mette un petit truc s'il faut. Voilà. Sinon, bah, si je vois personne aujourd'hui, j'irai chez mon médecin demain et puis je me ferai engueuler parce que j'ai pas été me faire soigner aujourd'hui. Voilà, c'est tout. On verra. Donc j'ai un petit trou là. Bon, la cervelle passe pas, hein, donc ça va. Donc la cervelle des me sort pas. Ça ira. Bon, du coup, je devais me laver les cheveux. J'ai dit, bon, on va pas tenter le diable, on va pas se laver les cheveux aujourd'hui. On va attendre. On verra ça demain. Demain ou après-demain. Alors, du coup, vous voyez, je suis moche. C'est tout. Mais là, c'est tout ouvert. C'est tout cracra, là. Là, c'est cracra. Bon, ça picote. J'ai pris un cachet pour la douleur. Puis on verra. Hein? À la guerre comme à la guerre. Bon, c'est pas le mot à dire en ce moment. Bon, je retire ce que je viens de dire. Non, mais blague à part, bon, il y a pire que moi. Il y a des personnes qui
qui ont peut-être plus blessés que moi. Voilà. Et puis, bon, donc, je ne voulais pas aller aux urgences. Pour avoir un strip type, voilà, ou alors deux points, c'est pas la peine. Donc voilà, on verra ça demain. Peut-être que demain le médecin me dira, bon, si vous y allez, allez vous faire recoudre. Bon, là, si le médecin me le dit, j'irai. Mais bon. donc voilà les nouvelles du jour. Donc. C'est pas le thème de la vidéo, malgré que je vous ai marqué dans le titre « Aïe aïe bobo hein. ». Je vous présente aujourd'hui le livre de coloriage mystère, affiches de pub, les affiches de pub anciennes que j'avais reçues pendant que j'étais à l'hôpital, justement. Désolée, hein, je vois qu'il y a la vidéo qui fait clair, foncé, mais je suis dans ma pièce en haut, donc je pense que c'est ça, il y a pas, la luminosité n'est pas très bonne. Et j'ai fait un colo déjà hier dans ce livre, donc je ne l'ai pas filmé, mais je vous ai mis le résultat, voilà. Que j'en filmerai, hein, bien sûr, comme d'habitude, mais là, je vous ai juste mis le résultat, donc c'est les chocolats Suchard, je crois, que j'ai fait. Voilà, donc je les ai fait avec les crayons Brut Funner, donc j'ai utilisé les 180 et les 520, et j'ai utilisé également les Stabilo 88 et les Stabilo 68, voilà, pour le faire. Je vous laisse visionner cette petite vidéo, qui j'espère va vous plaire. Elle est toute petite, hein, là c'est juste la présentation, donc ça va très vite. Donc si vous n'aimez pas voir les solutions des coloriages mystères, bah, arrêtez la vidéo maintenant. Mais si ça ne vous dérange pas de voir les solutions des coloriages mystères, continuez à regarder la vidéo. Mais les colos sont vraiment très jolis, les affiches sont très belles, j'aime beaucoup. puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. On est dimanche, donc je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.